Good morgen, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Lonish Matam Ramina Ben Khana Peki Batester Zabat Mazatov Shish Portich Simon Batleoni Mechel Novikov. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la cote, Perek Gimel, Mishnah Yud Dalet. Vea Kore, Imlo Tishmor la Asot, Vegomer, Veifla Hashem et Makot Echa, Vet Makot, Vechuk Vegomer, Vechoser le Trilat Amikra. ושמרתם את דברי הבריתה הזאת, וגומר, וחותם, והורחו מכפר העוון, וגומר, וחוזר לתחילת המקרא. ואם מת תחת ידו, פטור. הוסיף לו עוד רצועה אחת, והמת, הרי זה גולה על ידו. נתקלקל בין בראי, בין במים, פטור. רבי יהודה אומר, האיש בראי, והאישה במים. On commence avec la première partie, il y a trois petits sujets intéressants. והקורא... קורא אם לא תשמור לעשות ויפלא שם את מכותיך ואת מכות וגומר חוזר לתחילת המקרא. Celui qui lit le pasuk dira le pasuk אם לא תשמור לעשות, un pasuk qui se trouve dans Dvarim Parashat Kitavo, on va ouvrir les psukim dans quelques secondes, je préfère juste d'abord présenter la Mishnah telle quelle. Et il devra dire un pasuk ויפלא Hashem, avec ensuite le pasuk qui suit ויפלא Hashem את מכותיך. On va traduire ensuite les versets, ne vous inquiétez pas. Je vais juste d'abord mettre le doigt sur un point important. Soit, et il reviendra sur le début du verset. La Mishnah nous enseigne, si on s'arrête là, on explique d'abord concrètement, vulgairement, grossièrement. La Mishnah nous enseigne, quand tu frappes le condamné à la flagellation, alors il faudra qu'il y ait un des juges qui s'occupe de dire un des psukim de la Torah. C'est pas juste qu'on le frappe. Non, il faut... embellir un petit peu cette mitzvah là de le frapper en lui disant un des versets, en lui disant que, en rapportant un verset qui est rapporté dans les Klalot, dans les malédictions de Parashat Kitavo, en lui disant que parce qu'il n'a pas fait, on lui dit parce qu'il n'a pas accompli la Torah qu'on lui a demandé, qu'Hachem lui a demandé de faire, alors les makot d'Hachem s'abattent sur lui. On lui dit comme ça, ça laisse mes horaires autour à la tchouva. Entre parenthèses, ça me fait rappeler. J'ai étudié en France chez Rabbi Yaakov Toledano, Zichrono Livracha Zatzal. Et Rabbi Yaakov, des fois, il frappait les enfants, il mettait des claques, des treha. Et il leur disait, ce n'est pas toi que je frappe, c'est ton Yitzhara. Tac. Et comme ça, il mettait des claques au Bachourim un petit peu trop chevavim, un petit peu trop voyou. Et voilà, quoi, c'est pour l'anecdote. Mais c'est le même principe, ici, la Mishnah nous enseigne, on ne va pas juste le frapper, le battre. On va lui dire des versets. Parce qu'il n'a pas gardé la Torah, Aim lotishmor la asot, et kol divrei la Torah, veifla, Hashem, et à chaque fois on va lui dire un verset, d'accord? On fera ensuite le compte des psukim. Et si toutefois, maintenant, dans ce verset qu'on va voir, on va voir qu'il y a un pasuk qui fait 21 mots et le deuxième pasuk qui nous fait 13 mots, donc 21 plus 13 ça fait 34, ça manque de mots. Alors, deux situations, a priori, il faudra tirer le pasuk pour le finir en une fois, on dit. C'est deux psukim, donc c'est 34 mots. On va se débrouiller pour lui coller les 39 coups en même temps. C'est-à-dire, pour un même verset, on va le tirer un petit peu plus. Un même mot, on va le tirer un petit peu plus. De manière à ce que on va finir de lui donner les 39 coups au moment où on va finir de le frapper. Voilà la Mishnah, la première partie de la Mishnah. La suite de la Mishnah maintenant continue en nous rapportant un autre pasuk. On va ensuite expliquer la problématique. On va ouvrir les psukim, mais après on va rapporter les solutions. Ensuite, la Mishnah enseigne Ushmartem et divra berit azot. Ça, c'est le dernier pasuk de Kitavo, de Parashat Kitavo. On est dans un perek plus loin. Une fois que les klalot terribles de Kitavo se terminent, alors Moshe Rabbeinu il ramène le Ham Israël et leur dit voilà, on a fait le brit avec Hachem. Et ça se conclut là-bas avec Ushmartem et divra berit azot. Vous préserverez l'alliance qu'Hachem vous a fait. Vechotem, et il conclut. Le fameux pasuk qui se trouve dans Télim, et il devra donc dire aussi ce psukim, et s'il a fini trop rapidement les psukim, donc a priori, tu tires les psukim de manière à ce que tu vas finir exactement lorsque tu vas mettre le 39e coup, tu vas finir le chapeau, et on s'arrête là. Et tu as réussi à atteindre, et au moment où tu vas mettre Chamato, tac, Chamato, le Yerkol Chamato, qui n'en avait plus sa colère sur lui, et à ce moment-là, on va lui mettre le 32e coup. Comme ça aurait dû être a priori. Et si toutefois, tu es parti trop vite dans les psukim, tu as dit le mot Chamato au 37e coup, ou 32e coup, le juge il est parti trop vite quand il a dit le psukim,
Alors, l'Amchon Nonsen, il va choisir les Trilata Mikra. Eh bien, il faudra que, dans les 3 à 4 coups restants, tu recommences à tout dire depuis le début. Im lo tishmor et ouais, reprendre depuis le début du pasouk, comme ce qu'on va redire. Im lo tishmor la sot, bifla Hashem et makotecha, et ensuite, oshmortem et divor benazot, et après, vorachom et rabarvod, tout ça qui le case en, avec les 2-3 coups restants. Choisir les Trilata Mikra. On s'arrête là pour le moment. Et on explique un petit peu mieux parce qu'il y a un problème technique. Un problème de lecture. Je t'ai dit de dire deux psukim, et si tu as fini trop vite, tu reprends depuis le début du verset, et après je continue à te dire de dire deux psukim, et si tu finis trop vite, tu reprends depuis le début du verset. Il y a un problème. Certes, tu m'as déjà dit de reprendre depuis le début du verset en plein milieu. Il fallait d'abord finir de me donner tous les psukim. Et après, tu me dis, et si tu finis trop vite, tu reprends tout depuis le début du verset. C'est quoi cette histoire que tu me dis de dire deux psukim, et tu me dis, si j'ai fini trop vite, je reprends depuis le début du verset, et puis après, tu me dis de dire encore d'autres psukim, et je reprends depuis le début du verset. D'accord? Vous avez compris la problématique. D'accord? Il y a donc une marloquette, en fait. Est-ce qu'il faut lire la première phrase où il y a marqué Vechozar Letre Latamikra? Si vous faites attention, il y a marqué deux fois Vechozar Letre Latamikra. Après qu'on a rapporté les deux premiers versets, Im Lotishmor, Vifla Shemet Makotra, là-bas il y a marqué Vechozar Letre Latamikra, et donc il dit qu'il faut effacer cette phrase. Et donc en fait, il faudra dire les quatre versets en même temps. Et après, tout à la fin, on va dire Vechozar Letre Latamikra. Si tu as fini de dire les quatre versets trop rapidement par rapport à la fin des coups, eh ben tu reprendras tout depuis le début. Première interprétation, et selon le Rambam, en fait, il faut effacer toute la deuxième partie de la Mishnah, de Ushmartem et Divra Berita Azot, Bechotem, Berachom, Mechaperavon, Bechotem, Tamikra, tout ça, il faut l'effacer, et en fait, on dit uniquement les deux premiers versets. On va voir ça à l'intérieur des Psukim, parce que ça fait pas de mal de connaître un petit peu des parachutes qu'on n'aime pas tellement étudier, parce que ça parle des Klalot, mais quand même, quand on tombe dessus pour la Mishnah, c'est bien de le faire. Il y a là-bas dans Dvarim, Perek, Chafret, dans Parachat Kitavor, je traduis les psukim. Im lo tishmor la sot et kol divrei Torah azot, en plein milieu des klalot, terrible, à trembler pour celui qui comprend ce qu'il a écrit. Si tu ne, alors il y a marqué, im lo tishmor la sot et kol divrei Torah azot, si tu ne préserveras pas toutes ces mitzvot que je t'ai données, aktuvim basefer azé, qui sont écrits dans ce livre, leira et Hashem anichbad vanora azé, pour craindre Hashem, le redoutable, qui est respectable, vénérable et redoutable, et Hashem lokecha, Hashem qui est ton Dieu. Alors Bifla Hashem et Makotecha. Ouais, il faut pas dire, faut pas que je le dise directement. Il faut dire Bifla Hashem et Makotecha. On va dire Makotav. Il y a marqué dans le passage Makotecha. Bifla Hashem et Makotav. Il faut jamais dire au direct les klalot quand on dit un verset. D'accord, c'est une règle, c'est rapporté dans la Gemara, dans le Sefer Shuvot. Kanet Dvarecha là-bas, dis que tu parles de quelqu'un. On va dire à toi, toi Mohammed, Bifla Hashem et Makotecha. Hashem, il va te mettre ses Makot dans les mains. Vet Makot Zarecha. Et il va mettre aussi des Makot, des coups. À ta descendance, à toi, Mohammed. Makot gdolot veneemanot, des coups grands et neemanot, quelqu'un qui est fiable. En réalité, c'est parce que c'est des coups qui amènent à bon port. Ouais, Hachem, il met des coups pour corriger quelqu'un, des coups qui vont pas le tromper, ça va pas tromper. Tu vas voir de qui il va voir de qui elles viennent et ça va bien le corriger. Des cholaim raim veneemanim, aussi des coups, des maladies, aussi neemanim. D'accord? Ça, c'était les deux premiers psukim, en plein milieu de Klalot. Ensuite, à la fin de la parashat Kitavo, il y a le dernier psuk qui nous dit « Oshmartem et divra brit azot, vasitem otam, leman taskilu et kol asher tasun, vous préserverez tous ces préceptes. » Toutes ces divrei abrit, toute cette alliance, donc la Torah, vasitem otam, vous les accomplirez, leman taskilu, afin que vous réussissiez, et kol asher tasun, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous ferez. Et le dernier passage qui se trouve dans Tehilim, Vehu Rachum Yechaper Avon, Kachem, nous expie nos fautes, Velo Yashrit, et qu'il ne nous anéantit pas, Chazé Shalom, Veirba la Shivapo, qui continue à maintenir son courroux, Velo Yair, Veirba la Shivapo, Velo Yair, Kol Chamato, et qu'il n'éveille en rien sa colère contre eux. Qu'il n'éveille en rien sa colère. Ça, c'est les quatre versets. Maintenant, je l'ai laissé ouvert justement pour ça. Pour faire juste une petite remarque sympathique, c'est que j'ai compté le nombre de mots dans chaque verset. Dans le premier pasouk, Im lo tishmor la sot et kol divrei Torah azot, là-bas il y a 21 psukim. Je sais pas quoi en faire de ces 21 psukim, mais j'ai remarqué quelque chose de super, c'est que le pasouk Veifla Hashem et makotecha, qu'Hashem, lui, enverra ses claques, ses gros coups pour le corriger. Celui-ci fait 13 mots.
ויפלא השם את מכותיך ואת מכות זרעך. מכות גדולות ונאמנות וכל הם רעים ונאמנים. Je suis tombé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 mots. Après le dernier pasouk, ושמרתם את דברי הברית הזאת, 5, ועשיתם אותם למען תשכילו 9, את כל אשר תעשו, 13. Et Veurachum, c'est bien connu, ça fait aussi 13 mots. Et il s'avère qu'en fait, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais si on retient ces 3 versets qui ont 13 mots, ça fait bidouk 39 coups. Donc en fait, je ne sais pas hein, comment. Est-ce que. Il fallait dire le premier verset, certes, c'est écrit dans la Mishnah de dire Yemlo Tishmor la Asot. Je ne sais pas si on le disait plutôt en introduction Yemlo Tishmor la Asot. Et après, on commençait Veifla, Hashem, Et, Makotecha. Et ma côte, ça verra à chaque mot, comme ça, ça fait mieux que 13 mots. 13 fois 3, je sais pas, éventuellement. Enfin, là, n'est pas le problème de continuer, on le rangera après. Et on continue notre mission. D'accord, on a fini la première partie avec les psukim. Si déjà, on va conclure ce sujet qu'on a trop allongé, en faisant tout de suite le Bartel Noir sur ça, hein, qui nous rapporte la source dont on apprend qu'il faut dire des versets. Dirtiv, va Koré Koré, celui qui lit les versets devra dire ces versets suivants, et mon tichement la sorte de rouler. D'où on apprend ça? On apprend ça qu'il y a marqué dans la Torah Bikoret Tihye. Il y a là-bas, il y a marqué dans la Shifra Chaufa, celui qui va avec une servante, qui a un rapport avec une servante particulière, qui était à moitié libre, qui a été mariée, chez Vishifra Necherefet Leish. C'est une Shifra, une servante, qui était prédestinée à un esclave. Un cas assez particulier, c'est tout un sujet comme on en parle là-bas. Mais concrètement là-bas, hein, la Torah nous dit qu'est-ce qu'il faudra leur faire comme punition. Bikoret tihye, tu leur feras une bikoret. C'est quoi une bikoret? C'est un mot qui pose problème à définir. Une des explications, c'est rapporté par chez nous. Bekriyate, ça veut dire tu le frapperas, mais pas juste tu le frapperas. Bekriyatehe, que ce soit en lisant un psukim chez Corinne Alav, qu'il faudra lire en même temps. Il y a un petit genre là, de là-bas, on va déduire qu'il va falloir lire le pasuk quand tu vas le frapper. Ouais, tu vas lire le verset, il y a un petit genre là, saute. Et alors le Badra nous explique concrètement la mise en scène. Vegodel Shebadayanim Kore, le plus grand des juges lit, celui qui honorait à lire le verset. Vasamuchlo Mone, celui retenez bien l'ordre aussi, la fonction de chacun, parce qu'on en a besoin pour la suite de Mishnah. Vasamuchlo Mone, celui qui est à côté de lui, le deuxième, juge de rang deuxième, quoi. Mone, lui, va compter le nombre de coups qu'on a déjà dit. 1, 2, 3, on a dit qu'on va atteindre 39. Ou. C'est là une remise de peine, parce qu'il n'était pas assez solide. 21 par exemple. Veshlishi est le troisième. Omer al-Kolaka ve'aka. Il devra dire. Il y a un petit mot, ça manque un petit peu dans la gamme, il explique qu'en fait, il faudra. Lui devra ordonner au bourreau de dire frappe, mets le coup. Ouais. Et en plus de ça, au metzave à la Koré les tsamtem, l'ashlim à mikraot besof à balkout. Et aussi, il veille aussi. Que si le juge qui lit les psukim trop rapidement les lit justement trop vite, alors il va lui dire de tirer, c'est trop vite ou trop doucement, il va lui dire de suivre la cadence. Sache qu'il nous reste, il faut que tu commences à. On a un certain nombre de mots à dire pour 39 coups. Ouais, alors il va lui dire, tu sais quoi, non, essaye de dire un petit peu plus de mots pour chaque coup, comme ça on va se retrouver à finir exactement. À mettre le 39e coup, ou le 21e coup, ou le 35e coup. Il n'y a pas 35, il faut des multiples de 3. C'est pas grave. Ça fait 33 coups. Tu finisses le 33 au moment même où tu vas finir toi-même le pasouk. D'accord? Il doit faire en sorte. Il a deux fonctions donc. D'ordonner de passer à l'acte, de mettre le coup. Et en plus de ça, de veiller que ça corresponde avec les psukim qui sont dit en même temps. Veyolo Timtsem. Maintenant, il nous explique le Bartel Noir en disant Veyolo Timtsem. S'il n'a pas bien géré le. À faire coïncider. Les psukim avec le nombre de coups. Alors, Chozer avec Koré Pam Shnia, c'est-à-dire, il a fini la série de versets trop vite, et bien il devra, Chozer avec Koré Pam Shnia, il devra lire une deuxième fois. Et ensuite, Ome Maher Likro Ole Ashlim, Kshe Yashlim Hamalke Le Alkot. Il devra ensuite se dépêcher de lire la deuxième fois, la deuxième série des psukim, à finir de manière à ce qu'il va achever la. De citer les psukim au moment où le bourreau va finir de mettre le coup. D'accord? On a fini la première partie de la Mishnah, on passe à la deuxième partie de la Mishnah. Veim met tachat yado patour. S'il est mort sous ses mains, le bourreau il a mis le coup. On avait dit 21 il est capable de supporter, il arrive à 13, il est parti le pauvre.
en kaparat avonot. D'accord ? Eh bien, il faut qu'il sache, le bourreau, qu'il n'a rien à se reprocher, pas tout. Il est dispensé de tout, il n'a rien fait de mal du tout, il a fait la mitzvah qu'il devait faire, et l'autre, il est mort, ben, tant pis pour lui. D'accord ? Pas tout. Pourquoi ? Parce qu'il le frappe, comme le Bartel Noir nous dit, on en le fait tout de suite aussi, « Mipnei shemakehu birshut » parce qu'il le frappe avec permission, avec ordre, c'est la mitzvah de faire. C'est une grande règle dans toute la Torah, on l'a déjà vu même dans Baba Kama et tout ça. À partir du moment où je fais ce que je dois faire, s'il y a un bug, une takala qui va sortir, eh ben, je ne suis pas fautif. J'ai fait ce que je devais faire. Et c'est exactement ça. Le bourreau, il fait sa mitzvah de frapper, il y a une mitzvah de le frapper, on l'a frappé. S'il est mort, ben c'est que Minashama, il devait mourir. Dès qu'on a fait ce qu'on devait faire. D'accord ? Maintenant, aussi flo odretsua chat va mettre un rezé golé aliado. Si toutefois il lui a rajouté un coup de sangle, pas une sangle en plus, c'est pas qu'il a mis une sangle en plus dans le martinet, mais c'est qu'il a rajouté un coup de sangle supplémentaire, va mettre, et à cause de ça il en est mort, Areize Gole Aliado, il devra partir en exil à cause de lui. Soit, j'illustre ce qu'il a écrit et on soulève une question. Il y a marqué que il devait mettre, par exemple, on avait évalué 21 coups, et l'autre, il a mis un 22e coup. Il a mis un 22e coup. Alors, la Mishnah nous enseigne, et à cause de ça, il a mis le coup supplémentaire et il en est mort, il devra partir en exil. Voilà ce qu'il a écrit. Il y a un problème technique. Ouais, partir en Irmiklat, comme ce qu'on apprenait dans le Perek Bet. Il y a un problème technique. C'est que, d'abord, premièrement, concrètement, comment on se retrouve dans une situation pareille où il met un coup supplémentaire? C'est tellement bien organisé, comme ce qu'on avait appris dans le Bar Tenora, qu'il y a le grand juge qui nous dit les psukim, et l'autre qui compte, et l'autre qui ordonne de frapper. Alors, c'est très complexe à comprendre, parce que si toutefois, le troisième juge m'ordonne de frapper, et moi, je l'écoute, moi, je suis pas le juge, moi, je suis le bourreau, je fais le sale boulot, moi, je mets mes mains dans les égouts, moi, je fais ce que l'autre, il m'a dit de faire, donc moi, je frappe. Il m'a dit frappe, et j'ai frappé, j'ai fait la misa que lui m'a ordonné, quoi, tu vas m'envoyer en exil parce que moi, j'ai tué, va voir l'autre qui m'a ordonné de mettre le coup. Donc, on peut pas parler du cas où le juge lui a dit de frapper. Donc si le juge ne l'a pas dit de frapper, alors on a un autre problème. C'est que le bourreau, s'il s'est mis de lui-même, de sa propre initiative, à rajouter un coup, il ne devra même pas partir en exil. C'est pas un meurtrier béchogeg par inadvertance. T'es un fou, qui t'a permis de faire ça. T'as trouvé quelqu'un dans la rue, tu l'as mis à un coup. À partir du moment où on t'a dit de mettre 21 coups, c'est pas 22. Il y a un issour très grave de frapper quelqu'un. C'est rapporté entre parenthèses dans l'Yachin ici, qu'on n'a pas le droit de frapper, ni même de lever la main sur quelqu'un hein, sans le frapper. On est déjà appelé Racha, qu'on n'est même plus Mitztaref Beminyan. On compte même plus parmi les 10 de la synagogue si on s'amuse à lever la main. Pour rien. D'accord ? C'est-à-dire alors qu'on n'est pas en le droit pour écarter quelqu'un d'une Avera ou. C'est un mot frappe. Être violent, c'est quelqu'un qui est pas saoul. Il est devenu Racha maintenant. Il est plus Mitztaref Lahedut. Ça rapporte ici dans le Tiferet Israël et ça vous intéresse de voir la source. Là n'est pas notre sujet. On revient donc sur notre question. Concrètement, comment on se retrouve que j'ai mis un coup supplémentaire ? Ça peut pas être de ma propre initiative et ça peut pas être parce que le juge m'a ordonné de le faire parce que sinon je suis plus fautif. Alors là, c'est compliqué. Là, Megma explique qu'en fait, c'est une configuration assez spéciale. C'est que les deux premiers juges ont commencé à se tromper. C'est-à-dire, le juge qui disait le verset, lui, il était à fond dans les psukim, il était en train d'étudier les psukim et de les dire en haute voix. Et l'autre, celui qui comptait, il s'est embrouillé dans le compte. On est arrivé à terme. Et l'autre, il a dit, on est arrivé par exemple à 21. Et l'autre, il a continué, il a dit 22. Donc il fallait mettre, comme s'il fallait mettre le 22e coup. Il avait oublié apparemment qu'on avait estimé qu'il n'était pas capable d'encaisser un coup supplémentaire. Mais le troisième qui était là, le chef d'orchestre en fait, qui est là, qui fait la correspondance entre celui qui frappe, et entre le bourreau et les autres juges. Lui, il n'a pas donné l'ordre de frapper. Il a voulu, par exemple, reprendre, il a dit « Hey !» Et l'autre, il a à peine commencé à parler que le bourreau, il s'est un peu... Il a été déstabilisé, il a cru qu'il allait lui avait dit « Ok, frappe !» Il a pas dit « Frapper !» Il allait justement le reprendre et lui dire « Non, non, c'est tout, il faut s'arrêter là, par exemple. » Et donc, lui, il a mis le coup. Là, c'est le bourreau, le fautif, Béchogeg. Alors, dans un cas pareil, c'est ce que la mission nous enseigne, qui devra partir à Rezé, Golé, Aliado. D'accord ? Je m'épate que j'ai réussi à expliquer cette Gemara, c'est la première fois que j'ai réussi à la comprendre. D'accord ? Nidkalkel Benberi. Autre cas maintenant, on passe à un autre sujet. Il y a marqué, on avait vu quand on a vu dans les psukim, il y avait là-bas marqué Pen Yosif Lalkoto, Makar Abba, Venikla Chicha Lenecha. On apprenait là-bas en tout cas une dernière phrase que ton frère sera humilié, rabaissé devant tes yeux. De là, on apprend quelque chose de très important. Que Nidkalkel Benberi. Dans le tournant de la phrase, on apprend que le fait d'avoir frappé
au point d'avoir été humilié, même si on n'a pas reçu tout ce qu'on devait recevoir, alors on s'est acquitté de la mitzvah de Malkout. Soit, Nitkalkel ben Barei, ben Bamaim Patour. Si il a été Nitkalkel, il a été humilié, d'accord, il a été rabaissé. Ben Barei, avec ses gros besoins. Ben Bamaim, ou avec ses petits besoins. Soit, il a tellement souffert en recevant les coups, le pauvre condamné, qu'il n'a pas pu se retenir et c'est sorti. Que ce soit les grands ou les petits, pas tour, ça y est, c'est tout, c'est plus la peine de continuer à le frapper. On avait dit qu'on allait lui donner 21 coups, au bout de 2 coups, il a pété les boulons, donc tout est sorti, et ben il s'est acquitté, quels que soient les types de besoins, c'était les grands besoins ou les petits besoins, d'accord ? Diouk important quand même. Le Tiferet Israël se pose la question, alors quoi, dans ce cas-là, tout celui qui va être frappé, il va faire en sorte de ne pas partir aux toilettes pendant 2 heures, comme ça, dès qu'il va lui mettre un coup, il va tout de suite faire sur lui, et au moins, il aura économisé des coups assez violents, quand même. Et sur ça, il nous explique qu'il faut quand même prouver que c'est à cause de la peur qu'il avait, et voilà. Donc, puisqu'il a été humilié en faisant sur lui, il a été dispensé. Rabbi Yehuda Omer, attention, non, c'est pas aussi net, les petits et les grands besoins. Ha'ish barei ve'aisha bamaim. L'homme, c'est uniquement s'il fait sur lui les gros besoins. Ve'aisha, mais si c'est une femme qui est beaucoup plus sensible à la honte, et donc qui a transgressé une avéra, qu'il va falloir la frapper elle aussi, alors elle, ça suffit qu'elle fasse sur elle-même les petits besoins pour que ce soit déjà une honte tellement violente pour elle que ça y est, on a fini le compte de la flagellation, c'est pas la peine de continuer à lui donner tous les autres coups qui lui revenaient. D'accord ? On fait très rapidement le Bartenora, on a une Micha bien longue déjà. Aussi Flo. Il a rajouté un coup. Comment on est arrivé dans une situation pareille? Par exemple, il s'est trompé dans le décompte. Comme la mise en scène qu'on a expliquée. Nitkalkel. Si toutefois il s'est rabaissé, c'est-à-dire il a, à cause du coup violent qu'il a reçu, pendant qu'il était en train de frapper, il a sorti des excréments. Patour. Il est à présent dispensé de continuer à recevoir le coup. Pourquoi ? Dirtiv, comme nous dit le verset, Venikla achicha le'enecha, et ton frère sera humilié à tes yeux. Vare nikla shenitlachlech, voilà qu'il a été humilié depuis le moment où il s'est sali. Ve'isha, si c'est une femme, av bemaim, même avec uniquement itilamaim, qu'elle a eu uniquement les petits besoins, elle a fait couler de l'eau, d'accord, de l'urine. Avemem lama de boshta meruba, car sa honte est beaucoup plus grande. Une femme, elle est beaucoup plus sensible. Si on la en flagrant délit, on l'attrape en train de se rabaisser, c'est beaucoup plus rabaissant pour une femme. Elle est beaucoup plus sensible à tout ça. De ce fait, elle s'acquitte de malkout en faisant uniquement les petits besoins, tandis que l'homme devra faire les gros besoins selon Rabbi Yehuda. Aval ben alachakir Rabbi Yehuda, alachakir n'est pas établi comme Rabbi Yehuda. Donc, on retient pour ça que ce soit l'homme comme la femme, dès qu'ils ont eu même les petits, ils ont fait sur eux, ils ont uriné sur eux. Déjà. À cause des coups, ils se sont acquittés. Si toutefois, on les a attachés, et à cause de la peur d'être frappés, ils ont déjà fait sur eux, eh ben, ils ne seront pas acquittés par cela. Il faut forcément lui mettre des coups qui vont provoquer que la peur du coup supplémentaire, c'est-à-dire qu'il va y venir, et qu'il va faire sur lui. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selam.